très bien, c'est bien là. Les stands de rue font partie intégrante du paysage taïwanais. À côté des vendeurs, présents depuis une dizaine d'années ou plus, s'installent aussi des jeunes, comme celui-ci, qui explique venir là tous les jours depuis 4 mois. En comptant le matériel, son camion lui a coûté environ 400 000 dollars taïwanais, soit un peu moins de 12 000 euros. D'autres encore proposent de l'artisanat, combinant la vente en ligne et les marchés près des centres commerciaux où les jeunes affluent. Les revenus sont irréguliers. Certains ont un travail à côté pour plus de stabilité. Un camion équipé peut revenir à 5500 euros, un dixième de ce qu'aurait coûté la location et l'aménagement d'un restaurant. Ce fabricant de stands de rue a déjà des commandes jusqu'à l'an prochain. Il explique que beaucoup de jeunes veulent se lancer dans une telle entreprise, mais aussi des jeunes mères qui vendent des desserts l'après-midi, par exemple. Nécessitant un tout petit budget de départ, les stands de rue ont encore un bel avenir devant eux à Taïwan.